Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, bienvenue à la Paris Retail Week. Nous sommes ravis, fiers, heureux de vous accueillir à cette première édition de la Paris Retail Week qui est placée sous le patronage du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, pour lequel nous avons de grandes ambitions pour cette manifestation, comme celle de devenir un rendez-vous international à Paris, donc du retail, avec un véritable pont que nous avons essayé de monter entre le commerce online et le commerce physique, ce qui correspond selon nous à la nouvelle définition du commerce, un commerce unifié. Alors pendant ces 3 jours, la Paris Retail Week va être ponctuée de temps forts, qui en feront donc un rendez-vous de la rentrée clé pour les enseignes, les e-marchands et les marques. Nous avons bien sûr 2 salons donc, dans un même pavillon, qui sont donc E-Commerce Paris et Digital In-Store, avec des villages start-up qui vont encore une fois montrer que l'innovation en France, il y a énormément de choses qui se passent. La Paris Retail Week, ce n'est pas qu'un salon, c'est également derrière les murs. Nous aurons notamment 2 store tours qui permettront à certains privilégiés de faire des tours des enseignes innovantes dans Paris, donc avec 2 programmes très intéressants. Pour ceux qui n'ont pas de place, vous pourrez reprendre en sortant de la salle des programmes également que nous avons concoctés, qui sont des programmes libres, où vous pourrez donc découvrir différents quartiers de Paris avec des enseignes innovantes, si ça vous intéresse, donc librement. C'est également la Paris Retail Week une soirée de networking qui s'appelle la Digital Party, donc qui aura lieu mardi soir. Donc renseignez-vous pour les conditions pour en faire partie. 2 remises de prix qui seront en présence de la secrétaire d'État Martine Pinville ce soir, donc pour les e-commerce awards et les Rookie of the Year. Donc un moment intéressant et fort. Et bien évidemment, la Paris Retail Week, c'est des contenus qui sont sans équivalent sur les outils et l'avenir du commerce et du e-commerce. Donc vous voyez, un programme intéressant, un programme riche. Donc là, on est lundi matin. Voilà, il va falloir se mettre en train. Pour avoir le plus de renseignements possible, n'hésitez pas à télécharger l'appli du salon. Vous aurez donc toutes les nouveautés en direct live. Je vais vous souhaiter, donc, au nom de toute l'équipe de la Paris Retail Week, un très bon salon, un très bon événement. Merci d'être présents ce matin de bonne heure dans notre belle capitale parisienne. Et sans plus attendre, je vais... bientôt donc accueillir Flore Fauconnier, donc qui va présenter notre première conférence plénière. Alors on a voulu se mettre sous le signe de la thématique du responsive retail, donc on va vous expliquer ce qu'on entend par responsive retail, qui va être au cœur de nos problématiques. Donc comment en fait remettre le consommateur au centre de nos stratégies pour bien évidemment développer les actions qui seront les actions de demain pour les retailers au sens large. Donc Flore va nous décrypter tout ça, ça va être formidable. Donc je l'appelle Flore Fauconnier, journaliste au Journal du Net. Merci Flore de nous rejoindre. Merci Sophie. Bonjour à tous et donc bienvenue à cette première plénière de la première Paris Retail Week. Alors, Responsive Retail, eh bien, tout simplement, depuis 3 ans à peu près, on voit de plus en plus de sites en responsive design fleurir, qui s'adaptent donc, dont l'apparence s'adapte à l'écran qui s'affiche, mais les consommateurs ne se distinguent pas uniquement par leur terminal, loin de là. Au contraire, des comportements de consommation divergés de plus en plus, et avec la multiplication des canaux et des points de contact avec les marques et les marchands, eh bien, ce sont aussi des parcours d'achat de plus en plus variés. Par ailleurs, on a assisté à un véritable transfert de pouvoir qui s'est déplacé du côté de l'acheteur. Et d'ailleurs, le Customer Empowerment était le thème d'il y a 2 ans pour e-commerce Paris. Maintenant, ce transfert accompli, eh bien, les marchands n'ont plus le choix. Ils doivent s'adapter aux consommateurs dans leur diversité, de façon personnalisée, en répondant à leurs nouvelles attentes, sous peine sinon de perdre autant de clients. Et c'est la raison pour laquelle, comme Exposium, a imaginé ce concept de responsive retail pour en faire le thème de cette année. Alors, puisqu'on parle de s'adapter aux consommateurs, eh bien, nous allons, dans un premier temps, avoir la chance de recevoir Nathalie Damery, qui est la présidente de l'Observatoire Société et Consommation, qui va nous présenter les grands bouleversements à l'œuvre actuellement dans la consommation. Et dans un deuxième temps, nous entamerons une discussion avec trois marchands très différents les uns des autres pour comprendre dans quel domaine et de quelle façon ils s'efforcent d'adopter une démarche responsive. Donc, pour cela, j'ai la chance d'accueillir sur scène Allô, Nathalie Damery de l'Obsoco, qui va s'installer au pupitre pour la présentation. Et puis, par ailleurs, Thierry Lernon, directeur e-commerce, CRM et cross-canal de But, Christine de Vindel, directrice France de Zalando, et Sébastien Hubert, directeur supply chain e-commerce. Bon, alors, merci à tous. Je vais passer mon micro donc à Nathalie. Voilà, très bonne présentation. Nathalie, la parole est à vous. Merci, Sophie. Alors, je vais vous parler de, si j'y arrive, des transformations des modèles de distribution et de consommation. Là, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Non. Fermez tous les yeux pendant une seconde. Voilà. Je crois qu'il y a un problème de stabilisation. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Lorsqu'on analyse les mutations et les grandes évolutions des modèles de consommation et d'organisation, on se rend compte en fait que l'on passe d'un modèle d'organisation qui était voilà, celui-là, un mode d'organisation qui correspond à ce qu'on appelle le taylorisme, à savoir une organisation extrêmement... j'ai un vrai problème, ça saute tout le temps. Est-ce que quelqu'un de la peut venir aider, s'il vous plaît? Sans toucher au boîtier, c'est... Bon. Sinon, je le fais a cappella, hein. sans... Ça défile tout seul? Bon. On va essayer de faire au mieux. Bon, en gros, vous l'avez compris, un modèle d'organisation qui est plutôt tiré par la production. Au moment des 30 Glorieuses, une forte demande des ménages, la montée des classes moyennes, etc., qui font une organisation qui est fondée en fait sur une production massive et un modèle de distribution qui se crée pour la circonstance d'ailleurs, pour faire en sorte que la production soit amenée au mieux auprès de ces consommations qui étaient extrêmement demandeuses. Juste pour information, je rappelle toujours que la grande distribution à l'époque a véritablement fait office de service public, puisque partout, dans toute la France, on avait la possibilité d'accéder à des denrées de même qualité et surtout à des prix qui étaient stabilisés. L'ensemble de l'organisation, excusez-moi, était le même, par exemple, dans le travail, avec les poules dactylo, et dans l'organisation de l'ensemble des activités. Là, j'ai mis comme exemple un cours de gymnastique. Aujourd'hui, l'ensemble du modèle s'est renversé et plutôt tiré par l'aval, à savoir que c'est le consommateur... Je suis vraiment désolée, hein. Le consommateur qui est au centre de la demande. Pourquoi il est au centre de la demande? Parce qu'il a aujourd'hui d'autres aspirations, et pas forcément des aspirations à consommer comme, comme on pouvait consommer avant dans les classes moyennes. Peut-être que si je le pose, ça ira mieux. Je vais essayer de voir. Là, j'ai mis un ensemble d'exemples, mais vous voyez qu'il est tiré et attiré par des modèles qui vont... Le Bon Coin, hein, qui est aujourd'hui un modèle qui permet à tout à chacun d'aller chercher un ensemble de choses. Nous, dans nos différentes interviews que l'on peut faire ou les études, on a eu la surprise de quelqu'un qui nous a dit un jour, quand on l'interrogeait sur l'arbitrage du budget des ménages, « Moi, je regarde, quand j'achète une machine, je sais pas, une machine à café, je commence par regarder sur Le Bon Coin. Si ça me plaît, je l'achète, si ça ne me plaît pas, je vais chez But, par exemple. Donc, une sorte de renversement des références de là où on va acheter. Ça, c'est très important. Après, vous avez un certain nombre de choses que vous connaissez, les sites de e-commerce, les pop-up stores, etc., etc. Différents modèles, différents modes d'organisation qui se créent. Pourquoi? Parce que le consommateur, d'une part, veut avoir le choix. La question du choix, elle est extrêmement particulière parce que le consommateur veut avoir le choix, mais trop de choix génère un petit peu de stress, donc il ne faut pas trop de choix non plus, donc il faut avoir un choix qui soit relativement éclairé de la part des distributeurs ou des producteurs, et surtout le consommateur veut avoir la possibilité, sur un parcours qu'on pourra appeler un parcours client, de faire différentes expériences, donc je pense que ça sera l'objet même de la table ronde, mais des expériences qui lui autorisent à acheter en magasin, à aller chercher des informations en magasin, acheter sur Internet, etc., etc. Donc un parcours client qui se repense complètement différemment. Donc ce bouleversement total, il est lié en fait à un ensemble de choses. Donc il y a des mutations économiques, des arbitrages, du budget des ménages. Vous avez en matière économique aussi quelque chose qui est très très important, c'est la montée de la concurrence. Et donc le modèle que l'on a connu pendant les 30 glorieuses, le modèle glorieux de la distribution, tout sous le même toit, etc., est fortement remis en cause. Vous avez la première des concurrences, hein, c'est ce qu'on appelle les GAFA, et auquel il faudrait aussi ajouter les Asiatiques, qui font que l'arrivée d'Amazon, de Google, etc., a été un booster absolument phénoménal. Il y a des mutations technologiques. Alors, je dis tout de suite que le e-commerce ne devrait même plus être une option. J'ai lu quelque part qu'il y avait simplement 35% des distributeurs qui avaient adapté en termes de responsive leur site au mobile. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et on est dans une configuration où ce n'est pas simplement la technologie telle qu'on la connaît, le web, je sais pas, Amazon, etc., etc. C'est une technologie beaucoup plus invasive et beaucoup plus, on va dire, pervasive, au sens où elle est absolument partout. C'est qu'elle intègre le corps lui-même. Et ça, c'est un nouveau basculement sur lequel il va bien falloir, à un moment donné, adapter des réponses lorsqu'on est producteur ou distributeur, parce que ça va changer énormément de choses. Je vous donne juste un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est une étude là qu'on va sortir sur l'homme augmenté et qui montre que 76% des Français déclarent que la techno inside, c'est-à-dire des puces insérées dans le corps, est une chose, est une bonne, voire une très bonne chose. On a parlé des implants partis à Futur en Seine. Moi, je me souviens pour avoir travaillé notamment pour GS1, lorsqu'on parlait il y a une dizaine d'années de la RFID, c'était des levées de boucliers sur la privacy, etc. Le fait qu'on touchait à la vie privée. Et là, on a, moins de 10 ans après, un basculement absolument total de ces freins à la technologie. Bon, encore. Ces freins à la technologie, ce basculement, il se fait dans un ensemble de mutations qu'on appelle des mutations sociétales, mais qui, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous font passer d'une société où on était avec une consommation de masse qui répondait à des besoins de masse et qui était très marquante en termes de signes distinctifs sociaux. On était médecin, on mangeait médecin, on consommait médecin, on se mariait médecin, etc. Donc une logique qui s'est complètement éclatée au profit de nouvelles aspirations qui sont l'individualisme. L'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme. Hein. L'individualisme, c'est le fait de vouloir être ressenti comme une personne. Si on s'adresse à moi comme une personne, on va me proposer des choses qui sont faites pour moi et pas pour le voisin. Et cette nouvelle aspiration qui est très, très massive tire à elle seule le commerce et la notion de responsive. L'hédonisme, évidemment, dans des sociétés qui sont tout de même, en tout cas en France, vu les médias, des sociétés qui sont très sous contrainte, où les gens sont stressés, ont peur, etc. Il y a des moments où il faut savoir desserrer les contraintes. Et la demande d'hédonisme, la demande d'avoir des moments de joie, la demande d'hurler de plaisir, comme on disait tout à l'heure, etc., c'est quelque chose de fondamental. On doit pouvoir, à certains moments, accentuer quelque chose qui est de l'ordre de la joie. La rassurance, la reliance, qui sont des choses un peu plus connues, mais sur lesquelles notamment on peut baser par exemple la demande de confiance, la demande de rassurance de la part du consommateur, soit sur des produits, soit sur on en parlera peut-être tout à l'heure, mais soit sur l'utilisation des données que l'on cède lorsqu'on navigue sur Internet. Et alors? Bon, ben je vais continuer sans slide peut-être. Vous avez des slides là? Ouais, bon. Enfin, voilà. Non, bon, je reviendrai après. On a la rassurance, le besoin de rassurance. Il y a la notion de responsabilisation qui est très particulière parce qu'on veut bien être responsable à partir du moment où ça protège mes propres intérêts. Hein, c'est ce que l'on voit dans la question de l'environnement. Je veux bien m'intéresser à la notion de responsabilité de l'environnement, mais il faut que ça me profite. Et le dernier élément qu'on avait vu tout à l'heure, c'est la question de la résilience. Hein, le consommateur hédoniste, individualisme, en quête de reliance, méfiant, etc., veut aussi avoir des moments où il se réconforte, où il se fait plaisir, etc. Cet environnement sociétal, il est porté par une culture qui est extrêmement importante, qui est la culture du net. La culture du net, c'est fondamental, c'est une idéologie, c'est un rapport au monde qui est complètement bouleversé. Là, je montre toujours cette image de gentils fumeurs d'herbe de Provence dans leur garage qui inventent le monde de demain. Et ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, il est basé sur des choses extrêmement importantes en termes de commerce. C'est l'immédiateté, l'expérience. On n'est plus dans une logique où il faut un apprentissage, des essais, etc. Là, on est vraiment dans l'expérience immédiate, le retour, ce qui génère aussi des phénomènes d'impatience, des phénomènes de pouvoir avoir accès à tout le temps. Le pair-à-pair, le réseau, hein, c'est tout ce qui a donné la fin de la logique du silo, la fin de la logique on va dire, de la notion hiérarchique. Le pair-à-pair qui touche évidemment le commerce lorsqu'on pense aux réseaux sociaux, lorsqu'on pense aux avis qui sont postés, etc. Et puis la gratuité hein, qui peut, sur certains modèles, poser problème, notamment tous les modèles qui courent sur les questions de la connaissance, le journalisme et autres. Je passe un petit peu vite pour vous parler des nouvelles choses qui vont arriver. Et entre autres, moi, ce qui me semble le plus important, c'est la porosité totale des frontières. On est encore aujourd'hui sur des modèles, même quand on montre les avant-gardes des différents distributeurs, on est encore sur des modèles, disons, où le corps est placé dans une relation à l'objet ou à l'acte d'achat qui est encore très... c'est la même que dans les années 50. Hein. On va dans la boutique, il y a une notion de transfert, de transaction, etc. Sur le site ou sur le mobile, on a aussi des notions de transfert, de transaction. Là, on va vers quelque chose de beaucoup plus bouleversant en matière de transactions commerciales. C'est le fait de ne même plus avoir à passer par la gestuelle de la transaction. Donc, en gros, vous regardez des vidéos, vous regardez, et vous pouvez faire vos achats juste en cliquant sur avec une sorte de zappette. Nathalie, je vais vous demander de conclure. Oui, alors je vais conclure très vite. Donc, tous ces éléments, qu'il s'agisse des évolutions sociétales, économiques et technologiques, font que La relation avec le client, c'est Amazon, enfin c'est le PDG d'Amazon qui résume ça très très bien. Il dit, je me demande pas ce dont les gens ont besoin, la seule chose qui m'intéresse, c'est où sont les gens? Où sont les gens et que font-ils? Et donc cette notion de savoir où ils sont et ce qu'ils font nécessite de s'interroger sur ce qu'est le client, ce qu'il est avant, ce qu'il est pendant, ce qu'il est après. Donc un client n'est pas simplement un objet dans la transaction, un client, il existe pour les distributeurs et les producteurs très en amont et très en aval de la relation marchande. Bon, je suis désolée pour les petits problèmes techniques, mais je m'arrête là. Maintenant, nous allons maintenant passer à la réaction des marchands. Vous m'entendez? Ce concept de responsive retail, vous l'avez compris, est plutôt une démarche, une façon de se réorganiser autour du client. Je suis désolée, mais comme je n'ai pas de retour, je ne me rends pas du tout compte si vous m'entendez ou pas. Vers le fond. Alors, oui. Peut-être que les intervenants auront besoin de micro, en revanche. Ce serait bien d'en trouver quelques-uns pour eux. Donc on va en venir maintenant à la réaction des marchands. Donc vous l'avez compris, cette démarche de responsive retail est plus une façon de se réorganiser autour du client, ce qui peut prendre corps de façon très diverse, aussi bien par des campagnes marketing adaptées qu'en repensant l'expérience en magasin ou en adaptant sa logistique aux multiples attentes des consommateurs. On va commencer par la première chose qui vient en tête, qui est le marketing. Alors chez But, Thierry Lernon, vous travaillez beaucoup le marketing relationnel et comportemental, en quelque sorte pour museler le marketing de masse que vous faisiez auparavant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre approche et nous dire de façon très concrète comment vous vous y prenez? Oui, tout à fait. Alors dans une société comme But, les deux vecteurs principaux de marketing jusque maintenant, c'était les dépliants, toute boîte, et la radio. Et donc c'est par définition des choses assez massives qui ne prennent pas bien en compte l'individualité du client. Et ce qu'on a tenté de développer et sur lequel on est en train d'accélérer depuis un an maintenant, c'est des programmes de marketing relationnel complètement individualisés que le digital permet à un coût qui est maintenant bien moindre que ce qu'il était il y a 5 ou 6 ans. Et qui part du comportement client et de ce qu'il est en train de faire dans sa relation à la société à l'instant T, et pas de ce que But a raconté à tout le monde au même moment. En décortiquant la base client, on a créé il y a 1 an et demi une base client qui regroupe sur 6 ou 7 ans tous les achats web et les achats magasins. Et en décortiquant la base, on se rend compte clairement qu'il y a une grosse logique d'achat par pièce. Donc l'idée sous-jacente du marketing relationnel, c'est à partir du moment où on commence à détecter un intérêt ou un achat pour un produit dans une pièce, on élabore des programmes autour du premier achat et qui poussent des produits de la même pièce successifs au premier achat dans une pièce. Par exemple, si quelqu'un achète un matelas ou un sommier, on va lui pousser des emails qui lui présentent les chambres à coucher coordonnées avec des images d'ambiance, pas les produits individualisés, quelque chose qui donne envie et qui met en scène la déco, qui donne des idées. Et ça s'oppose clairement à l'image du dépliant toute masse distribué à plusieurs millions d'exemplaires tous les 15 jours. C'est ce que le marketing relationnel permet maintenant de faire facilement et qu'on développe, qui donne de très bons résultats. L'idée de base, c'est de parler aux clients de ce qui l'intéresse à l'instant T, et si je caricature un peu, d'arrêter de se regarder le nombril et de nous lui parler de ce qui nous intéresse à l'instant T. Détecter ses envies, détecter ses besoins, et à partir de là, élaborer des programmes qui rebondissent sur ses achats ou sur ses interactions avec la société. En termes de résultats, c'est très très bon. C'est des quantités d'emails envoyés beaucoup plus petites que l'email toute base ou tous les autres programmes, mais par contre avec des taux d'ouverture qui sont pratiquement le triple et des taux de réponse qui sont 5, 6, 10 fois plus selon les programmes. Ce qu'on pressent aussi, c'est que c'est perçu comme un service et pas comme du marketing classique, puisqu'on répond encore une fois à un besoin et à un intérêt du client, on l'écoute, puis on lui répond, plutôt que de lui parler sans savoir ce dont il a envie d'entendre parler. Côté IT, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour rendre ça possible? Côté IT, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place? Alors, chez des retailers historiques comme But, il y a un problème qui est très classique et que pratiquement tout le monde a, qui est que les systèmes principaux sont assez anciens. Ils ne sont pas cross-canalisés encore, ou alors tout le monde est en train de le faire, mais on n'est pas encore à des stades assez avancés. Et donc, on a une démarche assez pragmatique où on s'autorise avec la DSI principale de lancer une base sur le côté, qu'on fait avec une agence externe, le temps d'apprendre, le temps que l'équipe marketing et l'équipe CRM apprennent à s'en servir, commencent à lancer des programmes, commencent à tester. Et en parallèle, avec la DSI, on développe un référentiel client unique, costaud, en dur, rapide, qui lui est vraiment un socle cross-canal. Mais on n'attend pas, on ne se met pas dans un tunnel pendant un an et demi, le temps que tout soit prêt. On avance en parallèle avec une base sur le côté qui n'est par exemple alimentée qu'une fois par semaine et pas une fois par jour ou en temps réel. Mais le but, c'est d'apprendre et d'avancer, d'être assez agile et en même temps de construire des fondations solides. Alors chez Zalando, Christine, bon, vous, le marketing, c'est votre cœur de métier, autant que la mode. Qu'est-ce que vous faites en la matière de responsive? Bonjour. Donc effectivement, marketing au cœur de notre métier. Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent vraiment vous intéresser aujourd'hui, que nous faisons dans ce domaine. C'est premièrement une chose qu'on fait sur notre site. Donc c'est quelque chose d'assez innovant qu'on fait depuis à peu près un an. C'est de vraiment se focaliser sur une offre personnalisée on-site. Ça veut dire qu'on va tout adapter, on ne va pas se satisfaire avec une bannière générique pour n'importe quelle cliente qui cherche des chaussures ou des robes. On va lui montrer quelque chose qui est en relation avec ce qu'elle a acheté dans le passé et surtout avec ce qu'elle a surfé historiquement. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, une cliente qui va acheter une robe Topshop, on va peut-être lui montrer une tenue Nike Sportswear, mais on va permettre à nos partenaires, nos marques, qui investissent aussi dans du marketing chez nous, de targeter les clientes qui veulent. Donc, vous imaginez quelqu'un qui achète une veste Barbour, on va leur montrer des bottes Aigle plutôt que la dernière Air Max. Donc, on va vraiment s'adapter à ce qu'ils veulent et chaque client aura une expérience complètement personnalisée. Pourquoi? Parce que la segmentation et la personnalisation est clé. Donc, ça, c'est chez nous, en interne. Et évidemment, ça requiert des bases de données assez développées parce que ça veut dire qu'en temps réel, on peut montrer des choses aux clients. Après, avec nos partenaires externes, comme vous l'avez dit, Flore, notre marketing performance est vraiment au cœur de notre métier. On va travailler avec les gros médias sociaux pour vraiment faire une offre très segmentée. Donc, je vous donne l'exemple de Facebook. Quand on fait des campagnes sur Facebook aujourd'hui, on a la possibilité de cibler exactement un groupe de personnes. Et donc, on ne va plus faire quelque chose de standardisé que vont voir des millions de clients, mais on va cibler 5, 10, 20 000 clientes dans différents pays, différentes langues, avec une offre très particulière en fonction, pas de leur comportement d'achat chez nous, mais de leurs préférences, de leur activité sur les réseaux sociaux. Et ça, on voit que ça a une efficacité qui est nettement plus haute. Alors évidemment, c'est des campagnes qui coûtent plus cher, mais en termes de résultats, on voit que c'est beaucoup plus efficace. Donc, le mot-clé ici, c'est vraiment segmentation et personnalisation afin de vraiment être plus pertinent pour notre client ou notre cliente. Et vous parliez de bannières pour commencer. Est-ce qu'en termes de canaux, je pense display, affiliation, retargeting, peu importe, vous faites la même chose à chaque fois ou vous adaptez aussi selon les canaux? Alors, on va s'adapter selon chaque canal. Certains canaux s'adaptent mieux à la personnalisation et la segmentation responsive. Donc, je parlais des réseaux sociaux, Facebook, c'est le gros classique de là où on peut vraiment segmenter. Après, évidemment, en affilié, on va faire la même chose. En display, c'est la nature du produit en display de montrer des choses que les gens ont déjà vues. La même chose pour retargeting. Donc on va avoir des équipes qui vont être dédiées par pays à chaque canal et qui vont montrer comment est-ce qu'on peut personnaliser, comment est-ce qu'on peut adapter la technologie. Évidemment, ça veut dire des grosses équipes qui passent leur temps là-dessus, mais on voit que les résultats sont au rendez-vous. Très bien. Alors passons maintenant à Mondial Tissus. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu moins votre enseigne, je rappelle qu'elle a 35 ans, 70 points de vente, et que vous vous êtes lancé dans l'e-commerce au mois de mars 2015. Oui, ça y est. Donc c'est très récent. Vous me disiez que ça démarre bien, que vous êtes déjà sur un run rate d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, à rapporter à quoi, 90 millions d'euros de CA de l'enseigne. Alors, on aurait pu penser que vous alliez vendre en ligne plutôt de l'outillage ou du réachat, mais finalement, vous vendez aussi beaucoup de tissus, et ça malgré un aspect quand même sensoriel très important, mais on pourrait dire la même chose pour la mode. Alors, vos clients changent, votre offre évolue, et vous essayez d'accompagner tout ça dans votre démarche d'e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon ? Bonjour à tous. Donc l'intérêt de l'e-commerce pour nous, c'est que ça change même le métier du magasin. C'est surtout ça, au-delà d'un pure player qui va être accès à développer des leviers, retargeting, etc. Nous, ça modifie fondamentalement aussi l'approche du magasin ou même l'offre. Parce que quand vous avez des acheteurs qui référencent des produits, ils sont dans leur catalogue d'achat, catalogue fournisseur, c'est leur métier, c'est du back-office. Et en fait, avec l'e-commerce, vous vous rendez compte que le consommateur ne pense pas tout à fait comme vos acheteurs. Et le SEO nous apporte énormément, en fait, dans l'analyse, la sémantique, pour voir comment les consommateurs veulent accéder aux produits. Donc nous, on a une chance, c'est qu'on s'appelle Mondial Tissus, et les gens utilisent le mot tissu pour acheter du tissu, mais s'ils avaient tapé étoffe, il aurait fallu repenser toute la plateforme de marque. Mais ça bouleverse vraiment les lignes, et c'est ça qui est intéressant pour une enseigne comme la nôtre, c'est que le cross-canal, quand tout à l'heure on parlait de responsive retail, en fait on doit être polymorphe. Voilà. Donc juste pour ma petite expérience sur le responsive, en 6 mois, il faut déjà agir sur une dimension magasin ou offre par rapport à ce nouveau levier, et en effet on est très surpris des ventes, on est ravis. C'est vrai que le web apporte un confort d'achat, une expérience d'achat différente. On a un catalogue avec, actuellement en ligne, je sais pas, 2500 tissus. Donc quand vous êtes en magasin, le tissu, vous êtes accompagné par une vendeuse qui vous coupe du tissu. S'il y a des Parisiens ici, je pense, vous allez au marché Saint-Pierre et vous verrez l'expérience que c'est. C'est encore resté dans son jus, comme on dit. Donc on est accompagné par une vendeuse, mais sur le web, vous êtes tranquille chez vous, dans votre canapé, et du coup, les paniers explosent, au-delà du phénomène, évidemment, des frais de port qui font que ça tire le panier vers le haut. Mais les personnes, les clientes achètent 25 coupons de tissu, alors qu'en magasin, elles n'en auraient vu que 5, parce que dans l'océan des rouleaux de tissu qui peuvent être sur des tables, et avec le rapport à la vendeuse, il est tout autre. Donc il y a un vrai marché qui s'est révélé pour nous. Alors, au-delà de ces clients et de ces paniers plus élevés, vous dites que l'e-commerce, ça vous apprend finalement beaucoup de choses sur le consommateur que vous ne connaissiez pas avant. Pouvez-vous nous donner un exemple concret et un exemple concret de choses que vous apprenez sur votre demande et qui peut avoir aussi un impact sur votre activité en général, offline y compris? Ce qui est intéressant, c'est que l'e-commerce a ramené le client au siège, puisque on a un service e-commerce, un service client qui répond aux clients toute la journée. Donc déjà, ça évite une séparation magasin-siège qu'on connaît souvent dans le retail. Le client, il rentre chez nous et on découvre, moi j'ai un fromager du Luberon qui tous les mois me rachète un rouleau complet d'un certain type de tissu. On a des sociétés d'événementiel qui organisent... ici, vous voyez, il y a plein de tissus. Voilà, je pourrais peut-être fournir comme Exposium, il faudra qu'on s'en parle après. Donc, alors qu'auparavant, c'était dans nos magasins, de manière éclatée. Il est très difficile pour un retailer, alors on peut faire des études de marché, etc., des études clientèle. Nous, on a 500 vendeurs, faire remonter toutes les informations de 500 vendeurs, c'est compliqué. Ou en tout cas, pour le gérer en termes de base de données. Et donc, je rejoins justement l'analyse de créer une base pour pouvoir travailler... tout ce qui est co-occurrence d'achat, les segmentations clients. Nous, notre panel, on va de l'ameublement à la mode, à la fête, en passant par les enfants. Donc, ça va extrêmement loin. Donc, l'e-commerce nous remonte parfois quelques pépites, justement de personnes qui disaient « mais moi j'organise ça, j'ai besoin de faire ci, j'ai des chambres d'hôtes, voilà ce dont j'ai besoin ». Et ça permet une certaine réactivité parce qu'on a intégré au démarrage le service client dans nos murs. D'accord. Vous parliez SEO tout à l'heure. Ça peut avoir quoi comme impact de comprendre la façon dont vos clients abordent le tissu, peut-être le do-it-yourself aussi, qui est un phénomène relativement nouveau que vous ne preniez peut-être pas en compte avant. Est-ce que ça a un impact sur les rayons dedans, justement, on surfe sur cette vague de do-it-yourself. C'est vrai que les clients vont plutôt se dire comment faire une tête de lit plutôt que tout de suite de dérouler dans j'ai besoin d'un tissu de clou tapissier. Voilà. Donc il faut pouvoir capter cette démarche-là. Et puis, non, après, ce que ça remonte, c'est les termes. Je vous dis, on avait peut-être une nomenclature ou une organisation des magasins très orientée achat, donc amont, back-office. Par exemple, on utilise un terme en interne, on appelle ça la crotonne. Donc c'est un tissu coton. Les clients tapent tissu 100% coton sur le web. Donc du coup, ça change. Et il a fallu faire vite. On s'est équipé d'un PIM. On a dû enrichir totalement différemment la base de données qui venait d'un ERP aussi, où les choses sont très figées, très statutaires en tout cas. Et donc voilà, donc ça a bouleversé pas mal les lignes. Il a fallu aller vite. Avec le do-it-yourself, c'est aussi toute la personnalisation. Le web est normalement un bon outil pour ça. Comment est-ce que vous l'utilisez pour aller dans cette direction ? Alors, pour l'instant, on a ouvert la partie e-commerce. Donc, on tourne sur Magento, pour ne pas le citer. Donc, avec les fiches en ligne. Et on déploie ce mois-ci en magasin une offre de confection d'articles depuis agriculture, donc gigoteuse, tour de ligne, etc. Donc la cliente va pouvoir choisir parmi 250 tissus et nous faire faire l'objet qu'elle souhaite pour son enfant. Et donc en ligne, voilà, on est en plein dedans, on va travailler un configurateur, on va être un peu le Nike ID de la turbulette, mais ça devient un passage obligé, oui, pour pouvoir justement faire du web to store sans forcément déclencher l'achat. Mais en tout cas, nous, on croit énormément au phénomène de web to store. On le visualise tous les jours en magasin. Oui, et du coup, au-delà de la personnalisation, c'est aussi le web pour préparer l'acte d'achat et éviter beaucoup d'allers-retours avec les mesures, comparer les tissus, etc. Donc, ça facilite aussi l'acte d'achat en magasin. Tout à fait. Très bien. Alors voilà pour cette première partie marketing. Je vous propose qu'on passe maintenant à un autre domaine qui est très influencé par ces démarches de responsive retail et d'adaptation aux consommateurs. C'est un autre grand métier de l'e-commerçant, celui de la logistique, qui doit évoluer aussi quand on devient customer-centric. Alors chez But, Thierry, je crois qu'on réalise des achats assez engageants. Il me semble que vous avez un panier moyen assez élevé, 250, 300 euros et souvent des achats supérieurs à 500. Pour ce genre d'achat, on ne les fait pas sur un coup de tête. De plus en plus, on compare, on a un parcours d'achat omnicanal. Et d'un point de vue logistique, comment est-ce que vous avez réagi à ça? Alors, je pense en particulier au click and collect. Ce dont on se rend compte sur le parcours d'achat client, alors c'est en particulier vrai sur des produits impliquants comme de l'ameublement ou des produits à coût élevé, c'est que l'alternance entre le offline et le online est permanente. Et on le mesure par des tas de points et des tas de choses. Il n'y a plus de zone de chalandise physique et de zone de chalandise digitale, c'est la même. Et les clients commencent leur parcours d'achat, étudient un achat d'abord en ligne, puis vont voir en magasin, puis retournent sur le site, finalisent l'achat. Parce qu'en fait, c'est quoi le chiffre d'affaires e-commerce ou le chiffre d'affaires magasin? C'est j'ai donné ma carte bleue en magasin ou j'ai donné ma carte bleue sur le site. Mais tout ce qui vient avant est complètement mélangé. Et donc, un des challenges et un des boulots du cross-canal et des équipes, c'est de rendre tout ça le plus fluide possible et d'offrir à chaque instant, en magasin comme sur le site, l'accès aux produits, l'accès aux services, de la façon la plus fluide possible et qu'il n'y en a qu'un qui décide, c'est le client. Du coup, ça veut dire qu'au niveau logistique, il faut lui donner le maximum d'options. Donc, clairement, le retrait en magasin est un point très pratique pour des produits pondéreux et volumiques, parce que c'est un peu l'équivalent du relais en textile. Le client choisit quand il vient chercher son produit. Et il n'est pas obligé de bloquer une demi-journée ou une journée pour se le faire livrer à domicile. Donc c'est plébiscité, c'est plus des 2/3 des livraisons. essentiellement à cause de cet aspect souplesse. Les gens veulent de la vitesse, mais ils veulent aussi surtout de la souplesse. C'est pas pour rien que les relais sont maintenant le service de livraison majoritaire en France depuis un an. Donc on développe beaucoup, on réfléchit beaucoup à améliorer le retrait en magasin avec le click and collect qui est une promesse de délai, mais aussi avec la capacité à trouver très facilement le point de retrait qui n'est pas forcément l'entrée du magasin, c'est souvent le dépôt qui est derrière. Il y a des heures qui sont plus faciles que d'autres, donc on travaille à la prise de rendez-vous pour indiquer quand on va passer afin que le produit soit préparé et qu'on puisse fluidifier tout ça au maximum. On travaille aussi beaucoup sur les camionnettes qui sont en location et qui sont en fait vues par les clients comme un service de livraison, alors que historiquement c'était vu comme un service du magasin. Bon, les clients ne le voient pas du tout comme ça. Dans la palette des services, ils voient le retrait, la livraison à domicile, rapide ou lente, la livraison avec la montée à l'étage et la camionnette de livraison à égalité avec tout le reste. Ça change beaucoup la façon de voir les choses. Et donc je rebondis sur ce que vous disiez sur la façon dont le e-commerce fait aussi rentrer le client à l'intérieur de la société. On le voit tous les jours. Les magasins n'avaient pas tellement conscience de la fréquence de revisite et de réachat des clients. En partageant avec les magasins les études de la base de données clients, on peut leur donner des chiffres très précis sur le taux de réachat, l'intervalle de temps entre deux achats, le fait qu'une grande majorité de clients, ça c'est vrai pour tous les retailers, viennent une fois puis ne reviennent pas. Et là encore, le marketing relationnel permet de rebondir sur ces clients-là et de leur parler de façon individualisée. Tout ça avant, c'était des phénomènes qui étaient très diffus, dont les magasins qui sont l'essentiel des points de contact chez But, il y a 300 magasins et 6000 salariés qui sont en contact. Les magasins qui sont hyper efficaces, qui transforment à 25% ce qu'aucun site e-commerce ne fait, ou très peu en tout cas, n'avaient pas conscience ou peu conscience de toutes ces données-là. Et donc pouvoir leur donner les chiffres, pouvoir leur donner leur mettre en perspective les outils qui permettent de travailler toute cette matière-là, c'est un plus et ça rapproche effectivement le client du magasin, c'est sûr. Très bien. Christine, chez Zalando, pour que l'e-commerce client soit idéal, vous poussez la personnalisation assez loin et je crois jusque dans la logistique précisément. Exactement. Alors pour nous, en tant que pure player, l'aspect livraison et retour est critique. C'est le vrai point physique de contact qu'on a avec notre client. Et donc on va faire plusieurs choses pour rendre l'expérience aussi agréable pour le consommateur et donc responsive. La livraison, évidemment, je ne vais pas trop en parler parce que tout le monde sait que livrer rapidement est important. Tout le monde dans cette industrie essaye d'accélérer le temps de livraison. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expérience de défaire le colis et aussi l'expérience retour. Donc, pourquoi je parle spécifiquement de l'expérience de défaire le colis? J'espère que vous avez tous déjà fait des achats en ligne. Quand vous recevez votre colis, on a réalisé que l'expérience d'ouvrir le carton n'est pas toujours facile. Il faut un ciseau, il y a du scotch. Comment est-ce qu'on peut rendre cette expérience ultra facile et agréable? Donc, chez Zalando, qu'est-ce qu'on a développé? On a des colis avec une lanière d'ouverture très facile à utiliser et à l'intérieur un autocollant déjà pré-timbré, enfin pré-collé, pardon, pour refermer le colis. Ça veut dire que quand vous recevez votre colis, brandé Zalando, il y a un petit côté satisfaction, presque comme un cadeau. Quand vous ouvrez le colis, ça doit être facile et agréable. Vous tirez sur la petite lanière, le paquet s'ouvre et à l'intérieur, c'est bien empaqueté. Et là, vous avez tout de suite une belle expérience. Important pour le pure player. Si je vais un peu plus loin, le retour. Comment est-ce que ça se passe, le retour? Initialement, on obligeait notre client à aller en ligne. Il fallait qu'il ait une imprimante, il fallait qu'il imprime une étiquette, qu'il prenne du scotch, qu'il le mette sur le colis. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une expérience agréable pour nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a une étiquette pré-adhésive dans le colis. Donc, vous ouvrez quelque chose, vous recevez un colis, vous l'ouvrez, facile à ouvrir, vous avez l'étiquette, vous pouvez la remettre. Il y a une bande adhésive déjà dans le colis. Tout ça, ça veut dire que vous n'avez besoin ni scotch, ni ciseaux. Théoriquement, vous pourriez essayer quelque chose à la poste et tout de suite le renvoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle une belle expérience. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le client va être satisfait, donc il va revenir. Tout l'idée. Donc, fini cette époque où le retour est vu comme quelque chose de négatif, mais au contraire, on veut satisfaire le client, lui donner vraiment une belle expérience pour qu'il ait envie de revenir, même si la paire de chaussures, la robe n'allait pas. Donc, c'est là où on va pousser vraiment ce qu'on appelle le last mile à l'extrême pour avoir une expérience très agréable. Sébastien, chez Mondial Tissus, est-ce qu'il y a des choses en matière de logistique ou de magasins, bon, magasin on a déjà un peu vu, mais de logistique qui changent du fait de votre approche responsive? Ben, oui, clairement, il faut s'adapter puisque entre livrer une petite bobine de fil et un rouleau de velours de 15 mètres qui va coûter très très cher d'ailleurs en expédition, les choses sont très différentes et là aussi, il faut pouvoir accompagner les équipes logistiques qui ne font pas chez nous que du simple picking, puisqu'en fait, elles peuvent dérouler des rouleaux de tissu et les couper à la demande en amont du picking. Et ben, il faut le faire ça d'une certaine manière, de manière plutôt propre, parfois élégante, j'ai envie de dire. Lorsqu'on plie du tissu, on se pose même des questions de personnalisation avec ben de plier les coupons de tissu, mettre un petit ruban. Pour les premières commandes, frénétiquement, on écrivait des cartes à la main pour remercier les gens, leur glisser des paquets de bonbons, enfin voilà, pour essayer de créer un lien et de l'empathie. Donc oui, ça, c'est des choses aussi qui sont, bah, quand vous parlez de logistique, on pense tout de suite palette, process, industrie. Et quand vous avez une commande client, bah, vous vous adressez à une seule personne, à un client qu'on souhaite garder. Donc les choses sont un petit peu différentes, ouais, clairement. Entendu. Alors, on a parlé marketing, logistique, magasin, et finalement, tout ça nous amène, vous amène probablement aussi à réexaminer votre organisation. Bon, on a vu, on imagine bien l'importance de la formation, par exemple, des équipes en magasin pour accompagner leur train en magasin et des tas d'autres services. Mais on imagine aussi qu'il puisse y avoir de nouvelles fonctions créées, des directions qu'on rapproche les unes des autres. Thierry Lernon chez But, donc plus largement en matière d'organisation, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé récemment pour que vous adoptiez au mieux une démarche responsive, ouais, customer-centric? Ben, le mot-clé, c'est silo. Et donc le point clé, c'est de casser les silos. Et donc on a choisi de créer une direction qui regroupe tous les sujets e-commerce classiques, mais aussi le CRM dans une optique cross-canal. Le CRM, c'est du digital, c'est souvent des interfaces digitales. C'est les emails, mais c'est aussi les SMS, c'est les notifications push, et c'est aussi les interfaces en magasin. Donc tout ça, c'est du digital. Mais c'est un CRM qui est pensé directement et avec une stratégie cross-canal, donc base unifiée, client web, client magasin, et stratégie essentiellement tournée vers les magasins, puisque c'est là où se passe l'essentiel du trafic et c'est là où se passe l'essentiel de la transformation. Et troisième point, dans la même direction, regrouper tous les sujets cross-canaux au sens large, c'est-à-dire la réflexion sur les services cross-canaux, qui encore une fois se passe essentiellement en magasin, et sur les logiques cross-canal, tout ça au même endroit, donc dans une même direction, CRM, e-commerce et cross-canal. L'objectif, c'est de traiter les sujets en partant du client et en partant des objectifs clients, et de pousser avec la DSI, avec la direction de l'exploitation, donc des magasins, avec la DRH. À partir du moment où vous faites du CRM en magasin, on touche les job descriptions, on touche les modes de rémunération. De parler aussi avec les partenaires sociaux pour les mêmes raisons. Donc il vous faut une approche très large et la capacité à discuter et à pousser les sujets avec des gens très variés, je viens de les citer, et tout ça dans une optique digitale. Chez un retailer qui a des dizaines ou des centaines de magasins et des milliers de vendeurs au contact depuis des dizaines d'années, qui est très bon à ce qu'il fait, mais dans une approche classique physique. Et donc pour impulser tout ce changement, il faut centraliser les sujets, il faut être au comité de direction, parce que les habitudes ont la vie longue, et il faut une approche très large qui s'affranchit de ces silos. Il faut aussi beaucoup mettre en perspective, beaucoup expliquer, parce que ce n'est pas le tout de décider ou d'expliquer que les clients sont cross-canaux. Il faut aussi expliquer ce que chacun a y gagné, aligner les intérêts, et à partir du moment où on arrive à faire ça correctement, les choses viennent naturellement, parce que par contre, le constat qui est fait en magasin et depuis un bon bout de temps, c'est que les clients sont cross-canaux. Les vendeurs le savent, ils le voient, Ils voient les gens comparer, ils voient les gens sortir leur mobile, ils voient les gens arriver avec une fiche produit imprimée. Ils savent que les clients regardent les notations produits sur le site qu'ils n'ont pas encore, eux, dans leur système magasin. Donc tout ça, maintenant, en 2015, c'est assez bien intégré par tout le monde. Le tout, c'est d'expliquer, de mettre en perspective et de dérouler en écoutant les gens, en n'allant pas trop vite et en donnant beaucoup de sens à tout ça. Et pour ça, il faut une approche assez large. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose qu'on prenne quelques questions de la salle. Alors, le temps que la salle trouve une première question, je vais poser moi-même la première question de la salle parce que ça m'embête qu'on n'ait pas parlé de mobile. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir chez Zalando, comme le mobile est complètement crucial dans cette démarche de responsive retail, de quelle façon vous y prenez et est-ce que vous n'êtes pas encore plus responsive sur mobile que sur desktop? Pourquoi? Vous avez une stratégie par device? Comment ça marche? Et la salle peut déjà réfléchir à ses premières questions. Donc effectivement, le mobile, c'est clé. Aujourd'hui, chez Zalando, ça représente plus de 57% de notre trafic. Donc si on n'est pas responsive en mobile, on est mort. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On fait beaucoup de travail sur les push notifications. Comment est-ce que l'expérience livraison peut être intégrée avec le mobile? Ça veut dire que quand la livraison est dispatchée, on reçoit un in-message. Quand le colis arrive chez soi ou a été en tentative de livraison par la poste, on reçoit un message. Tout ça, ça doit être intégré dans le mobile. Il y a aussi un point très important, c'est comment est-ce qu'on suit le parcours client à travers toutes les différentes plateformes. Donc certes, le mobile est aujourd'hui la plateforme la plus importante en termes de trafic, mais on voit que le matin, notre client est en train de surfer son smartphone dans les transports, au bureau et sur desktop, et le soir sur sa tablette sur le canapé. Comment est-ce qu'on suit le parcours client pour qu'il ait tout ce qu'il a vu le matin en regardant un abri de bus avec une pub Zalando jusqu'au soir, quand il regarde une pub à la télé, il faut que ça suive sur le mobile et sur la plateforme. Donc pour nous, c'est clé et je dirais que c'est l'axe stratégique le plus important sur lequel nous travaillons. Peut-être, Nathalie, pour conclure, vous, quel est votre sentiment par rapport à la façon dont ces trois marchands essayent de s'adapter aux consommateurs? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Et qu'en pensent les consommateurs? Est-ce qu'ils sont patients? Est-ce qu'ils jugent et ils condamnent très vite? Quelle est la réaction des consommateurs face à ce genre de démarche? Alors oui, d'une part, les trois exemples montrent que les choses avancent assez vite. Avec moi, je suis quand même assez surprise de la capacité à s'adapter hein, des organisations. C'est vrai que tout bouge. Les métiers bougent, les organisations bougent, le sens du marketing. Tout à l'heure, vous disiez le marketing à l'ancienne, mais le marketing aujourd'hui, par exemple, sur la question des data entre... qui des ingénieurs ou des marketeurs va pouvoir organiser au mieux la remontée et l'exploitation des datas. Tout ça, ça fait partie des interrogations. En revanche, lui, le consommateur, je dirais presque qu'il trouve ça tout à fait normal. Il peut même manifester un peu d'impatience lorsqu'il attend son colis à 2 heures et que le colis arrive à 2h15. Donc, plus le service va être rendu, plus d'autres motifs peut-être d'insatisfaction vont arriver. Ceci dit, c'est le sens du vent de répondre à ces nouvelles attentes et je trouve qu'on on a des exemples là, qui montrent que ça se fait plutôt bien. Très bien. Alors, voyons maintenant si nous avons des questions dans le public, parmi vous. Ah, une question, il y a 2 questions de ce côté-là. Où ça? Bonjour. Bonjour. En fait, j'aurais voulu savoir comment vous articulez le process de vente dans les magasins physiques par rapport au process de vente en ligne, dans la mesure où ça a une répercussion concrète sur la motivation des vendeurs dans vos magasins physiques. Comment vous arrivez à motiver les troupes? Votre question s'adresse à Thierry Lernon de But, c'est ça? Ou de But, ou à Sébastien Hubert de Mondial Tissus. Mondial Tissus, il me semble aussi qu'ils ont des magasins physiques. Il faut que les modes de rémunération ne soient pas en contradiction. Et donc, quand les vendeurs ont des commissions sur leur vente physique, il faut aussi qu'ils profitent du chiffre d'affaires Internet. Donc, il y a une chose toute simple, mais que maintenant tout le monde fait, à mon avis, c'est de réattribuer le chiffre d'affaires au magasin. Donc, comme ça, chaque magasin a un intéressement, ça tombe dans le calcul de l'intéressement. Le chiffre d'affaires Internet tombe dedans. Et les vendeurs sont rémunérés aussi sur les ventes Internet de leur zone de chalandise, de façon très concrète. Alors nous, on n'a pas incentivé les forces de vente. La première chose qu'on a faite, c'est tout bête, mais on a fait une convention à toutes nos responsables de magasins au mois de février, avant le lancement au mois de mars, qui a été portée par notre patron et même l'actionnaire qui était là, donc pour expliquer bah voilà, que le monde a changé et qu'on doit s'adapter. Et le projet a été extrêmement bien reçu. Je dirais même que le web est devenu bah une source d'information aussi pour la force de vente. Aujourd'hui, on fait du retrait en magasin. Clairement, dans 80% des cas, les gens utilisent bah, le magasin comme un endroit pour retirer la marchandise, mais ils n'ont pas forcément le temps justement d'y naviguer. Mais le web est devenu bah, une parade sur bah, tiens, tel produit, je viens de vendre le dernier exemplaire, bah, si vous voulez on le commande ensemble sur le web, regardez nos nouveaux produits, les collections. Donc aujourd'hui on n'a pas de frein. Alors nous on a 72 magasins en succursale et un premier franchisé, parce que nous développons la franchise. Et même le franchisé aujourd'hui n'a pas de frein particulier. Parce que bah, en 2015, il est très difficile de dire bah non, toi t'es client web, toi t'es client magasin et client web, je te veux pas. Voilà. Alors est-ce qu'on ira jusqu'à l'incentive, jusqu'à de la rétrocession de chiffre d'affaires? Pour l'instant, on n'est pas là. On a opéré cette conduite du changement. On va voir. Aujourd'hui, notre site, c'est un gros magasin, mais dans quelques années, si ça prend beaucoup plus d'ampleur, peut-être qu'il faudra changer un petit peu les choses. Ouais. On va prendre une deuxième question maintenant. Oui, c'était dans le même coin. Non. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Et puis après, ce sera la dernière question, Flore. Okay. Tout à fait. Bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. Moi, c'était dans la foulée de la question de monsieur pour savoir si concrètement, sur le point de vente, vous aviez équipé les vendeurs de devices ou de façon à accompagner, d'être dans une fluidité par rapport à tout ce qui a été fait sur le net préalablement. Merci. Oui, c'est un des sujets du CRM. Alors, But avait été assez précurseur là-dessus, puisqu'il y a des bornes dans chaque magasin depuis 4-5 ans, 3-4 ans. Et les vendeurs ont été équipés de tablettes. Et donc, on est en train de réfléchir à la prochaine génération qui inclura du CRM dans les tablettes vendeurs. Aujourd'hui, c'est surtout des tablettes qui leur permettent d'accéder sur un device mobile, enfin nomade, aux interfaces classiques d'un magasin, c'est-à-dire les dispos stock et les fiches produits. L'objectif, c'est de leur donner des données CRM et des fiches produits bien plus enrichies dans les mois qui viennent. Nous, de notre côté, on avait déjà des bornes de commande en magasin, mais côté du vendeur, qu'on essaie d'ouvrir et de tourner vers le client. Je dois vous avouer qu'on regarde un peu ces devices comme des bêtes curieuses, parce qu'on est sur un marché qui est assez historique, on va dire. Donc on ne voit pas encore bien l'apport. Ce qu'on se pose des questions, c'est quand même l'encaissement au sein du point de vente. Lorsque vous avez finalisé le parcours avec une vendeuse qui vous a servi du tissu, du ruban, etc. Et quand là, vous lui dites bah, « maintenant, il faut aller sur la caisse centrale pour régler », elle ne comprend pas très bien. Donc on se pose plutôt des questions d'embarquer des caisses légères avec un terminal de paiement pour accélérer ce flux et fluidifier ces flux. Très bien, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous tous et très bonne Paris Retail Week.